Allez, avec Otis, après cette belle victoire dans ce match amical face à Albi. Otis, comment ça va? Bah, ça va bien. Moi, je fais mon deuxième match amical. En plus, victoire, une belle victoire contre une bonne équipe en plus. Oui, oui. Qui va être un concurrent, donc ouais, ça fait plaisir. Tout va bien pour l'instant. Comment tu t'es senti lorsque tu es rentré, puisque la mêlée carcassonnaise était plutôt, on va dire, avait pris un petit peu l'ascendant. C'était compliqué? Ouais, ça a été compliqué sur les premières mêlées, les premières touches. C'est individuel, mais il y a du travail encore à faire. C'est les matchs de préparation, c'est fait pour ça. Après, j'ai essayé d'avoir de l'activité, mais ouais, c'est mes premiers matchs. Il faut que je trouve des repères. Collectivement, l'équipe a besoin de trouver des repères aussi. Donc, on travaille pour ça la semaine et ça va se mettre en place au fur et à mesure de la saison. On a, on va dire, une première mi-temps plutôt à l'avantage des trois quarts, une seconde mi-temps peut-être plus pour les avants, avec deux beaux essais, deux belles cocottes qui sont allées à Dame. Est-ce que c'était prévu dans le plan un petit peu? Bah, on savait que c'était une équipe qui allait répondre devant, donc nous aussi on se l'est dit, il faut beaucoup d'envie, mettre du défi physique. Si les avants on fait pas le boulot, derrière ils peuvent rien faire. En première mi-temps on l'a fait, les trois quarts ont répondu, on devait maintenant nous aussi aller au bout et on l'a fait. Les remplaçants, la première ligne remplaçante a amené du plus, donc c'est un travail qui est mérité, on est récompensé des efforts. D'accord. Alors on connaît l'objectif, on va dire, de cette équipe 1 qui va probablement tenter la remontée en Pro D2. Personnellement, tes objectifs à toi, ce seraient lesquels? Bah, moi, pour l'instant, je suis avec du coup l'équipe 1, mais j'ai quand même en tête l'équipe Espoir que j'abandonne pas. Après, forcément, ce que j'ai à apprendre avec la Nationale, je le prendrai avec plaisir. Je vais accumuler le plus d'expérience possible. Et après, voilà, tout ce que j'apprends avec les grands, bah, j'essaierai un étage en dessous de le transmettre. Et de donner le maximum à tous les niveaux, quoi. Allez, merci Otis et bonne première interview, non? C'était la première, c'est vrai. Allez, merci. Bye.